De ce vendredi 18 août de la 19e semaine du temps ordinaire, lu par Dobévi Grâce Divine de la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de Corrie et commenté par le diacre Jules Aloumon Logosou de la Société des Missions Africaines SMA. Lecture du livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 13. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours jusqu'à Théra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors, j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre en Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir et je vous ai sauvé de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous
des frelons qui ont chassé les deux rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 135. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert. Éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux. Éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage. Éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur. Éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de renvoyer vos femmes. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi.
Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Dans la vie, nous sommes tous appelés à faire des choix. Le choix en soi se définit comme une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. C'est l'action de pouvoir choisir en toute liberté. C'est le fait de jouir de la liberté de soi pour choisir ou pour faire quelque chose en toute liberté et en ayant en idée que cela est ce qui est bon pour nous. Le choix est différent de la décision. Le choix implique une réflexion rationnelle, une réflexion approfondie. Le choix implique aussi la présence de plusieurs options dans lesquelles nous prenons une comme notre choix. Par contre, la décision est le fait d'agir avant de savoir. La décision ne couvre pas nécessairement le fait de réfléchir ou le fait d'une réflexion approfondie. Nous avons ce que nous appelons les choix fondamentaux et les choix secondaires. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous présente deux choix fondamentaux qui sont le fait de se marier et le fait de ne pas se marier. Mais Jésus élabore plutôt sur le choix de se marier. En cela, il rejette toutes sortes de séparations dans le mariage, introduisant ainsi ce que nous appelons les propriétés essentielles du mariage, qui sont l'unité et l'indissolubilité. L'union entre un homme et une femme et le fait que le mariage n'est pas susceptible de séparation. Le mariage est un choix libre, une alliance, un sacrement, un lien sacré d'union entre deux personnes. Ces deux personnes sont un homme et une femme. Pas deux hommes avec une femme ou pas un homme avec deux femmes, mais entre un homme et une seule femme. Le processus du mariage est un long processus dans lequel l'on chemine avec son partenaire afin de savoir la volonté de Dieu
qui réside dans le choix fondamental que sera prise. Si dans ce processus l'on cherche à savoir ce que Dieu veut de nous, alors pourquoi assistons-nous à des séparations, des mariages que même les évêques ont bénis? Et la réponse se trouve dans la réponse de Jésus aux pharisiens. En ces termes, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans cette réponse de Jésus, nous voyons l'élément primaire qui est le cœur, dont il dit c'est la dureté du cœur. Cela nous rappelle les mots de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. En cela, le cœur est le trône du bien et du mal. Pour que cela soit le trône du bien, il va falloir que nous le nourrissons de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Et s'il faut que cela soit le trône du mal, il va falloir que nous le nourrissons les désirs de ce monde, les désirs éphémères. Alors, où sommes-nous? Est-ce que nous arrivons à bien entretenir notre cœur? Car c'est le cœur qui définit les choix que nous faisons dans la vie, soit dans l'agitation ou dans la sérénité et la patience. Donc la question personnelle que nous devons poser ce matin, c'est où est-ce que je me situe? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.